Bonjour et bienvenue chez Sarah Bien-être. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation de l'albinisme qui est passée le 13 juin avec un peu de retard, je veux souhaiter bonne fête à toutes les personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier. Et puis je veux remercier aussi vraiment l'Afrique, les Africains, le continent africain pour le changement de mentalité qui a vraiment pris de l'ampleur dans toute l'Afrique. Je peux le confirmer parce que pour le Cameroun, j'ai fait 6 mois au Cameroun de 2022 à 2023. Et c'était 6 mois de bonheur, c'était 6 mois agréables. Les Camerounais ont vraiment changé de mentalité, même si ce n'est pas tous, mais vraiment, on va dire 90%, 99%, je peux le dire, parce qu'en 6 mois, je n'ai pas ressenti de violence, d'insultes, de rejet. Et je ne sais pas pour les autres, donc c'est pour ça que je viens vous encourager encore et davantage à faire évoluer les mentalités. Parce que les mentalités qui évoluent, c'est le bonheur que vous donnez aux autres. C'est le bonheur, c'est la joie que vous mettez au cœur des autres. Donc, merci d'avoir compris ça et je vous encourage encore davantage, toute l'Afrique, vraiment, de nous soutenir dans cette avancée. Voilà, et merci pour les donateurs de toutes les associations qui soutiennent les associations. Merci pour les chercheurs. Merci, en fait, merci pour tout ce qui fait quelque chose pour les personnes atteintes d'albinisme. Merci pour les familles. Merci vraiment. Et bonne journée à vous, c'était Sarah Bien-être. Bye.